être retenu dans la délégation du littoral et qui s'est rendu aux consultations du Premier ministre. La région du littoral a, comme l'a dit le chef de délégation, rendu compte d'une consultation préalable qui a eu lieu samedi, dans laquelle les différentes forces vives de la région se sont libéralement exprimées. C'est la raison pour laquelle, moi qui suis un opposant, vous me trouvez à côté de monsieur le ministre d'État, qui est le délégué régional du parti au pouvoir. L'appel à la paix demande qu'on dépasse tous ces clivages. Le littoral l'a reconnu. Mais l'appel à la paix demande autre chose. Il faut la volonté de paix chez tous. Parce que les éléments qui nous divisent, il y en a beaucoup. Mais il faut avoir la capacité de les mettre de côté pour se concentrer à cet appel-là. Et je crois que le littoral sollicité a donné la mesure de ses capacités dans la solution à ce problème-là. Nous espérons que le dialogue se déroulera bien, mais surtout qu'il atteindra les résultats que lui a fixés le chef de l'État, c'est-à-dire ramener la paix, ramener la concorde et s'adresser aux problèmes connexes qui ne sont pas explicitement mis en lumière par la crise anglophone. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Et